Et y a pas long, c'est super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du Skyrim. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de jouer à ce jeu. Alors je ne sais plus trop où je m'en suis arrêté, il faut que je regarde au niveau de mes quêtes. Alors oui, j'en étais là, donc trouver l'emplacement du camp de cinq bandits de Quintal et venez à bout du chef des séducteurs bandits. Donc ok, donc si je suis mon repère, c'est là-bas. Par contre, toi, est-ce que tu peux faire quelque chose ou pas? J'ai pas trop compris ce que ça fait. Ouais, d'accord. Donc en quelque sorte, ça m'aide, mais alors attends. Sorte de destruction, j'ai là, ça peut être ça. 16 de, ouais, 16 de dégâts. Ouais, ça fait 16 de dégâts, ce qui est plutôt fort en vrai. Fort, fort, ouais, c'est vite dit quoi. Ah, mais c'est que ouais, ils viennent. Alors, l'archer qui est là-bas, il est où? Il faut absolument que j'arrive à l'abattre. Si je peux réussir à l'avoir, l'archer. Le problème, c'est que je ne sais pas. Ouais, là-bas. Ouais, mais elle bouge. Wow. Ok, bon. Ok. Alors, au pire, cette mission, je vais la faire. Je vais la faire un peu plus tard. Au niveau de la carte. Alors, où est-ce qu'on doit se situer? On doit aller directement là-bas. Ouais, bon, on va y aller. Alors, on va y aller directement. Voilà, l'écurie. Il y a peut-être moyen que je puisse avoir un cheval. Et voilà quoi. Alors. Ok, mon canasson, il est là. Bon, il y a toujours mon araignée qui me suit. Allez, c'est parti. Oh, pardon, je m'en excuse d'avoir éternué. Allez, go. Alors c'est pas non plus la porte d'à côté. On aura quand même pas mal de balades, soit dit en passant, mais voilà quoi. En tout cas, vraiment le jeu il est toujours aussi beau, vraiment. Il y a rien à dire. Hein. On peut pas nier, le jeu est toujours beau. Voilà, ça fait 20, 15 ans. 10-15 ans, je crois qu'il est sorti 2000. Non, 2013, il est sorti, je crois. Ouais, bon, franchement, le jeu. Toujours aussi incroyable, hein, vraiment. La personne qui me dira, oui, mais non, 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 non. Non, je. D'accord, ok, bon, j'ai écrasé un mec, sans le vouloir, je me bavais exprès, je m'en excuse, ça n'était point voulu. Voilà quoi. Alors, attendez, il faut que je... Ouah, je rêve où il y avait des éléphants. Ici là, what the fuck, man? Je suis juste en train de faire quelque chose. Voilà.
Ok. Ah non, c'est des. Des mammouths. Oh là là, j'étais en train de chercher le mot. J'étais en train de chercher le mot, vraiment. Ouais. J'étais là en train de me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, après, c'est des éléphants, mais préhistoriques, quoi. Les ancêtres des éléphants. Ouais. C'est bien ça, c'est bien les ancêtres des éléphants. Alors, là, on va atteindre une nouvelle zone. Ok. Et cette zone, c'est quoi? Bonne question. Le labyrinthe. D'accord. Ok, donc il va y avoir encore des. What the fuck, man? Il y a un Yeti qui est là? Walala! Il y a l'abominable Yeti, c'est l'homme de neige. Oh, punaise. Ok, bon. On va continuer notre chemin. Est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux descendre moi par là? Parce que je me dirige par là, mais ouais, non, je vais plutôt prendre les escaliers, hein. Voilà. Je vais pas descendre n'importe comment, à l'instar de tuer mon cheval. On va passer par là, c'est bien aussi de prendre des chemins vraiment. Là, ça devrait passer. Ouais. Ok, on est plutôt pas mal en vrai. Ah, on continue. En tout cas, il fait beaucoup de neige. On est dans les montagnes, ce qui est, ma foi, je pense, normal, hein. Et on est surtout en pleine nuit, donc c'est aussi normal qu'il neige. Je me rappelle plus comment elle est la zone. La zone en pleine journée. On verra bien. Alors, je dirais bon, je me suis, non? Je sais pas, j'entendais. Ouais, donc, ok, on commence à atteindre une nouvelle zone, un nouveau petit village. Ok. Bon, est-ce qu'on est loin encore de notre point? Non, on est vraiment à côté. Enfin, à côté. Voilà quoi. Façon de parler. Ok, alors, on est bientôt arrivé, ça se voit. Ok, pas mal d'arrivées, dis donc, dans cette zone-là, vraiment, ça fait quand même un petit peu peur, hein, j'aimerais vous le dire. Je suis pas très rassuré, vraiment, de ça. Non, non, non. Je suis pas très, très rassuré, vraiment, pas du tout. Alors, en tout cas, on va arriver à cette nouvelle zone que nous n'avons. Ok. Alors, il y a des bateaux. Ouais, mais je sais pas si je pourrais traverser avec le cheval au niveau de la rive. Moi, bah si, bah si, bah si. Et on nage avec le petit cheval. Alors,
En vrai, ça doit que c'est bien fait quand même. Hein. Vraiment, il n'y a pas à dire. N'y a pas à dire. Hein. Le jeu est incroyable. Alors, la porte. Il va falloir passer par où? Peut-être au niveau de l'entrepôt de la compagnie de l'Empire. Ok. D'accord. D'accord, pas de soucis. Donc ça doit être par ici, je suppose. Hein. Il y a une porte qui est là, donc. Allez, hop, on va devoir laisser notre petit cheval ici. Voilà. Et nous allons ouvrir la solitude. Ok. Solitude se situe dans une baie naturelle qui protège son port des vents violents de la mer des fantômes. Bien. Non, non, c'était pas un... Je peux pas charger ma partie? Ah, le jeu, je crois qu'il a freeze. Ah, attendez, hop. Voilà. Ouais, donc on peut pas y aller. Ah oui, on lui coupait la tête carrément, non? Je crois que le monsieur, il... Bon. Oula. Ouf. Ok, Ouais, ça fait froid dans le dos de voir ça. Tu viens dans une nouvelle contrée et un mec qui se fait décapiter. Bon. Ok, alors on va lui parler à monsieur qui s'appelle Malborn. C'est notre ami mutuel qui m'envoie. D'accord.
Quand vous voulez, voilà ce qu'il me faut. Alors. Il me faut ça. Il me faut ça. 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 Des flèches. Le gantelet. La hache. Je vais voir pour prendre quelques potions, surtout aussi. Potions de peut-être de magie, il me faudrait prendre les potions de santé, de soins légers, de magie légère, et voilà. Ok, bon. On va aller à la solitude. D'accord. On va aller à Bol de Ciel. Prélagus III, qu'on appelle aussi parfois Prélagus de Fou, était proclamé empereur en l'an 155 de la troisième ère. Ok, d'accord. Pas de soucis. Oui. Ah ouais, je suis complètement à Welp. Je vais quand même prendre une tenue, hein. On va prendre celle-là. Je suis complètement bon, c'est pas grave au pire. Ah mais non, mais attends. Ouais, je viens d'y penser, mais c'était peut-être pas obligatoire que je lui donne vraiment toutes mes tenues, c'était juste les armes. Bon, c'est pas grave au pire. Au moins, je vais les récupérer en arrivant là-bas. Donc, on renverse pas le gun. Voilà. Oui, Malborne est prêt. Ok, d'accord. Donc, ça, et un autre truc festif, je crois qu'elle m'a donné. Mais, je sais pas le trouver. Oh bah c'est bon là. Voilà. Merci. Zobardi, on va aller dans le chariot direction l'ambassade et on n'a aucune arme sur nous. Oh, pinaise de pinaise de pinaise de pinaise. Merundag, le prince de la construction de la révolution, et je n'ai pas eu le temps de dire.
Oui, tout de même, entrée d'invitation. Merci beaucoup. L'ambassade du Talmor. D'accord. Pas de souci, nous allons dans l'ambassade du Talmor, dis donc. Merci. Non. Madame Cipion, c'est un plaisir de vous rencontrer. Ouais, mais comment... Alors, attends. Non. Venez. Ok. Ok, pas de souci. Je sais pas. Ouais, mais comment je... Faut que je lui parle? Il faudrait que vous fassiez une scène pour attirer l'attention de tout le monde pendant quelques minutes. D'accord. Merci. D'accord. Ouais, on va tout récupérer. Hop, 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 hop. Voilà.
D'accord. Il va falloir que je fasse quand même très attention à moi. Alors, je vais déjà récupérer pour mettre ma tenue. Voilà, au moins, je serai un peu plus protégé. Ah bah ouais, mais j'ai pas pris mon arc. Ouais, bah ouais. Par contre, ça, je vais le récupérer. Attends. Tenue. Après, c'est pas foufou, mais c'est quand même plus ou moins cher. Ok, donc là, il n'y a personne. Alors, il y en a un là-bas. Okay. Non. Bon. Tant pis. On va devoir le tuer comme ça. Avant que c'est lui qui nous tue. Il y a moyen que je gagne si. Oh lolo lolo. Moins 9, moins 4. Ça, je l'ai déjà. Par contre, l'épée, je ne dirais pas non. Pour récupérer l'épée. 9, 11. Ouais, on va quand même récupérer l'épée. Ok. Je vais quand même me soigner. Ah, il y en a encore là. Ok. Ok, faut que je me soigne. Il y a moyen que je gagne. Ok, cool. Ça, par contre, je peux le récupérer pour changer mon arme. Arme, on va prendre ça, par contre, au niveau des popos. Je vais m'en remettre un petit peu. Voilà. Bon, malheureusement, au niveau de discrétion, là, c'est quand même légèrement foutu. Je vais aller voir en haut. Alors, déjà, on va aller vérifier ici. Là, il n'y a pas grand-chose. Là, il me faut une clé. Il est en haut, non? Je ne sais pas où est-ce que. Où est-ce que le mec peut être? Par contre, on peut récupérer le bouquin. Bon, j'ai récupéré le pot, mais c'est pas trop grave. Potion de régénération, on va pas sans. Potion de soin, potion de vigueur. Là, c'est du vin, on s'en fout un peu. Potion, là on récupère tout ça. Là c'est quoi? Potion de santé, de force. J'ai l'impression qu'il est en bas, non?
Potion de soin profus. J'ai l'impression qu'il est peut-être en bas le mec. Ah, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment où est-ce qu'il est, le gars. What the fuck, man? Il y a du monde là. Wow. Ah ouais, il m'a. Oh! Wow! Ok. Je me suis fait dégommer en 2-2. Alors toi, là, le mec à l'arche. Si, au moins, je peux l'avoir, lui. Il a quasiment plus de vie, il est quasiment mort. Ok. Je peux récupérer ça, ça et ça. Ça, il n'y a pas besoin. L'arc, pourquoi pas. Ok, cool. Je peux déjà me heal, mais il y a masse de monde. Ça va être très dur. Ouais, ils sont deux. C'est que comme ils sont deux, ça va être très compliqué pour moi de les vaincre. Ah non, il faut que je rentre dans le bâtiment. Ok, d'accord. J'ai cru qu'il fallait que je les batte tous ou quoi. Donc, je vais dire, what the fuck, man? Oui, non, là, il faut vraiment que je les batte. Potion, 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 potion de régénération. J'essaie de prendre ça. Il me faut du soin. Breuvage de santé. Soin léger. Ok. Ouais, c'est chaud là. Je vais me mettre en haut. Je me suis un peu mis dans la sauce. Potion de magie. Voilà, il va falloir que je me mette en même temps. Ouh, mais ils sont plusieurs là quand même. Non, toi tu vas pas te rendre, tu vas mourir. Ok, bon, c'est moi qui est mort. D'accord? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi il me faut ça. Résistance à la foudre, ça par contre, ça pourra beaucoup m'aider. On va prendre ça, ça. On va prendre un breuvage de force et de santé. Oh lolo lolo lolo. Oh là 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 là. Oh, ça va être tendu. Alors. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir m'en sortir comme ça. Ah
Moi, je sais pas comment je vais pouvoir vraiment m'en sortir. Parce qu'en fait, je sais pas trop ce que je dois faire dedans. En plus, j'ai pas, je crois pas avoir de bouclier. Ça, le problème, c'est que j'aurais dû mettre quand même un bouclier sur moi. Non, j'ai pas de bouclier. Alors, on va prendre ça. On va prendre de la santé. Voilà. Et après, peut-être qu'il faut que je parte, non? Ok, d'accord. Bon. Niveau discrétion, c'est pas ça. Mais le problème, c'est que je sais pas où est-ce que je dois aller ensuite, moi. Parce que t'es marrant. Je dois retourner là. Ok, ça a l'air. Ouh, Lolo. J'ai pas de clé. Ah, attends. Non, j'ai oublié de me soigner. Dommage. Ça va me ramener où? Ouais. Voilà, je peux le battre comme ça en même temps de me soigner. Ok. Je peux récupérer ça. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il me faut une clé. Je vais regarder dans mes quêtes ce que je dois faire. Je vais chercher des informations au sujet du retour des dragons. Ouais. Mais je dois les chercher où? Là, il n'y a pas grand-chose. À mon avis, ça doit être dans l'autre bâtiment. Je vois que ça. Je vois que ça, que ça peut être que dans l'autre bâtiment. Sinon. Ouais. Lui, il a pas de clé. À mon avis, ça peut être que de l'autre côté. Ouais, mais il y a encore les mecs dehors. Bon. Attends. Non, je t'épargnerai pas. Je vais pas m'amuser à épargner tout le monde. Le sorcier là. Voilà. De toute façon, il va mourir. Ok. Est-ce que t'as une clé ou pas sur toi? Tu n'as pas de clé sur toi. Ok. Je vais quand même revérifier sur lui. Lui. De l'hydromel, de l'or. La potion. Poisson, des bottes, une ligne de ceinture. On s'en moque un peu royalement. Ah bon?
Impossible, qui dis-tu? Es-tu sûr de ce que tu dis, mon ami? Es-tu sûr de ce que tu dis, que c'est impossible de te vaincre? Bah si. Ok, bon. On va aller vérifier dans le bâtiment là. Après, je vois que ici. Mais c'est qu'il y a quand même du monde dedans. Et ouais. Quoique, il est tout seul. Ouais, il est tout seul, mais il fait quand même très mal. Non, j'aurais dû me soigner. J'aurais dû utiliser mon. Ah non, j'aurais dû utiliser mon niveau 9 là pour pouvoir le vaincre. Bon, de toute façon, je sais que je vais passer niveau 9 à ce moment-là. Voilà. Je vais essayer de lui enlever un maximum de vie. Hop, voilà. Je vais me mettre de la santé en plus. Hop. Ok. Ah, j'ai cru que c'était lui qui m'avait battu. Non, c'est moi. Je vais récupérer ça. Ok. Bon. Maintenant qu'on a fait le ménage, je vais pouvoir éventuellement fouiller les lieux. Mais je ne pense pas trouver récit draconique, ok. Livre de la reine Louve, là il n'y a pas grand chose. Potion de force, potion extrême, le plus sombre des ténèbres, d'accord. On va récupérer toutes les popos. Sur la table basse, il y a de l'or, mais il n'y a pas ce qu'il me faut. Là-dedans, ouais, de l'or. Dans l'armoire, qu'est-ce que nous avons? De l'or. On n'a pas grand-chose non plus. Ici. Gorge du retour. Et là, on a la danse du feu. Dans le placard, on a encore de l'or. Là, non. Dans le coffre, on a de l'or aussi. Dans l'armoire, qu'est-ce que nous avons? Vêtements raffinés, c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, c'est pas là. L'autre papier. Là, il y a des plumes. Coffre, coffre vide. J'aurais dû le prendre. Là, les rouleaux de papier. Oh, un truc de fromage. Peut-être là-dedans, ça m'étonnerait, mais il n'est pas en bois. Ah. Oh. Voilà pourquoi la clé. Ah bah? Pourquoi tout le monde veut me tuer? C'est pas bien ça. Pourquoi tout le monde est censé est toujours en train de me dire vous allez mourir ou je vais vous tuer? Non, non. Comment ça c'est rien? Comment ça c'est rien? Hein? Voilà, moi je te l'ai dit, rouillard, tu vas mourir. Allez hop, il est où l'autre? Alors, qu'est-ce que tu as? Ouh, ça par contre, je vais le récupérer. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Ok. Je vais changer d'arme. On va prendre celle-ci. Il est où là? Il est où le monsieur là? Elle est en bas? Elle est en bas! Bon.
Histoire toute la magie, ça peut être pas mal. Je vais me mettre de la magie pour me soigner. Ouh, le monsieur, il est mort. Ouh. Alors, qu'est-ce que tu avais? Ouais, la clé, une gemme, un livre de sort, un parchemin, poison, poison. On peut récupérer ça. On va regarder un peu au niveau des objets, donc au niveau des livres. Dossier, dossier, enquête, livre de sort. Ok. Des clés, j'ai vu un parchemin. Est-ce que c'est compté dedans ou pas? Regardez dans tout. Étant donné que c'est trié par ordre alphabétique, normalement il devrait me le mettre. Parchemin. Ouais, bon, d'accord. Au moins, je connais un nouveau sort, ce qui est plutôt pas mal en soi. Alors, dossier d'Esmeralda. Ok. Je ne suis pas ici pour vous torturer. Pas te sauver. Partez devant moi, je n'ai pas encore fini ici. De rien. Là c'est vide, là c'est vide. Au niveau du coffre. Là on a quoi là-haut? On a pas mal d'éléments encore. Je vois pas où est-ce que ça mène cet endroit. D'accord, il y a pas mal de portes, mais bon, on va go. Faut une clé pour l'ouvrir. Ouais, mais où est-ce qu'elle est la clé? Elle est en haut, non? Peut-être sur l'un des. Peut-être sur l'un des corps, je sais pas du tout. Par contre, je peux peut-être prendre l'armure. Mais le pire, je peux la lâcher. Ouais, je ne sais pas vraiment où est-ce que la clé peut être. Ouais, mais bon. Bah ouais, mais je fais comment pour déverrouiller la porte? Ok.
la vache. Je m'y attendais pas que qu'il y ait avoir des soldats de Talamor ici. Faut que je me heal. Ben, la dame, elle est en feu quand même. Alors, la clé de la trappe, de l'or, les armes, c'est le fixe déjà. Ok. Deuxième clé d'interrogatoire, clé de la trappe. Ok, bon, on voit des clés, j'en ai en veux-tu, en voilà. Il avait quoi sur lui? Malborne. Ah, mais c'est à qui on a confié nos affaires. Ok, bon. Ah non, 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 on les a pas confiés à lui. Non, non, je raconte des bêtises, moi. Ok, bon. Où est-ce que ça va nous mener tout ça? Je sais pas où est-ce que ça peut me mener tout ça, moi. Ça fait peur. Je suis censé le battre comment, le Yeti, moi? Bon bah finalement, je vais pas tenter de le battre. Non, 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 je vais pas tenter de battre le troll pour le moment. Peut-être un jour, hein, qui sait. Mais là, non, 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 c'est pas. Non. Échappez-vous de l'ambassade de Talmor. Adressez-vous à Delphine. Ah ouais. Je vais pas non plus tenter le diable à affronter un troll des neiges. Ouais, non, non, c'est vrai que c'est pas mon délire, mais c'est pas mon délire. Mes affaires, où est-ce qu'elles peuvent être? Pourquoi il y a énormément de points rouges? C'est des araignées, ok. C'est des givres père. Petite araignée. Voilà, comme ça c'est fait. Je te découpe la tête, je te la casse en deux. Je te coupe les pattes et je te les casse en huit. Ok, bon. Où est-ce qu'elle est, Delphine? Est-ce que je peux descendre par là? Oui, je pense que je peux descendre par là sans aucun problème. Je vais éviter de me casser les talons à jambes, hein, parce qu'après ça va piquer. Ok. Ok. Ok, il y a des loups-garous. Hop, voilà, les loups, tu es mort. Tu as choisi la mort, oh la tchétché, et tu as choisi la tchétché, et ensuite la mort. Top, 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 top. Alors, Delphine, elle est quelque part par là. Moi, dans la vraie vie, je fais ça, je me casse les jambes. Je le dis directement. Elle est où? Je vais regarder la carte. Ah ouais, non, bah si je compte y aller à pied comme ça. Ouais, non, non, non. Je vais pas y aller à pied. Voilà quoi. On va se téléporter. C'est très bien comme ça. Voilà. Ouais, t'inquiète pas, je me fais pas d'illusions. L'auberge du géant endormi. Ok. Delphine, où est-ce que tu es? Elle est en bas.
Merci. Oui. Non. Pourquoi m'envoyer là-bas si vous n'avez pas l'intention de me croire? Je ne sais pas, mais létalement, je cherche quelqu'un qui appelle SBR. Il semblait penser qu'il se cache à Fayette. Ok. Alors, mes affaires m'indiquent à se trouver dans le coffre là. Bingo, bango! Alors, je vais récupérer tout. Ok. Alors, au niveau des armes, inflige 10 points de brûlure à la cible. En vrai, ça, je peux le laisser. Au niveau des flèches, on va les garder. La hache, ça, je peux la stocker. Ça, on peut les poser. La masse elfique, pareil. Pareil pour ça. Au niveau des tenues, amulettes, anneaux d'argent. En vrai, ça me sert pas à grand chose. Si au moins je peux essayer de les vendre, en vrai de vrai, pour me faire un peu d'oseille. Donc le bouclier, ça je le garde. Casque impérial, je peux le laisser en vrai. Dans les adeptes, je peux laisser. Talmor, pareil. La tunique, elle ne me sert trop à rien. Quoique, en vrai, l'autre bouclier, je peux le. Hop. Bon, les potions, je peux les garder. Parchemin, pareil. Mais là, il y en a un en double. Il faudrait que je revende ingrédients livres. Niveau des clés, d'accord, divers. Bon, je suis toujours trop lourd. Des armes, qu'est-ce que j'ai qui pourrait. Laisser l'espadon, en vrai. Même la dague. L'armure impériale, en vrai, ne me sert pas à grand-chose. Voilà. Voilà donc. On va continuer plus tard notre aventure. J'espère quand même que cela vous aura plu. Dites-le-moi dans les commentaires. On essaiera de faire un épisode assez souvent. Donc, voilà. C'était Scipion. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao tout le monde!